La police de New York a arrêté plusieurs membres de gangs du Bronx liés à 23 incidents violents. La police a réussi à les identifier et à les interpeller grâce à une longue enquête. Mais qui sont ces gangsters? Quels sont leurs crimes et qu'encourent-ils comme peine? Alors, qui sont ces membres de gangs du Bronx arrêtés par la police? Selon le procureur du Bronx, qui s'appelle Darcel Clark, et le commissaire de la police de New York, qui s'appelle Kishon Sewell, il s'agit de 21 hommes et d'un adolescent qui serait membre du gang River Park Towers, RPT, basé dans le complexe résidentiel du même nom dans le quartier de Highbridge. Ce gang serait impliqué dans une guerre de territoire avec d'autres groupes rivaux comme les Hidden Boys ou les Dub City. Quels sont les crimes commis par ces membres de gang? Selon l'acte d'accusation, ils sont inculpés de 65 chefs d'accusation, dont conspiration en vue de commettre un meurtre, tentative d'agression, possession criminelle d'une arme et plusieurs autres charges liées à des coups de feu dans et autour du complexe River Park Towers. Ces crimes auraient eu lieu entre avril 2018 et septembre 2021. Parmi les incidents les plus graves, on peut citer le meurtre de Daquan Cooper, 23 ans, tué par balle le 16 avril 2018 devant le complexe River Park Tower. Le meurtre de Tyshawn Green, 28 ans, tué par balle le 24 juin 2018 devant le complexe RPT. Le meurtre de Jaira Duverge, 31 ans, tué par balle le 16 juillet 2018, alors qu'elle était assise dans une voiture garée près du complexe RPT. Le meurtre de Shaquan Wilson, 21 ans, tué par balle le 11 août 2018 alors qu'il marchait sur Sedgwick Avenue près du complexe RPT. Le meurtre de Brandon Hendricks, 17 ans, tué par balle le 7 juillet 2020 alors qu'il assistait à une fête d'anniversaire sur Davidson Avenue près du complexe d'RPT. L'agression d'un agent correctionnel du Riker Island, battu par plusieurs membres du gang le 11 septembre 2021 alors qu'il rentrait chez lui dans le complexe RPT. Quelles sont les peines encourues par ces membres de gang? We Arch Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BLACKTRAP15. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire, comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis, ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Arch Nation. Selon le procureur Clark, il risque jusqu'à 25 ans de prison pour chaque chef d'accusation de meurtre au deuxième degré et jusqu'à 15 ans pour chaque chef d'accusation de possession criminelle d'une arme au deuxième degré. Le procureur Clark a déclaré que ces arrestations étaient le résultat d'une collaboration étroite entre son bureau et la police, ainsi que d'un travail d'investigation minutieux utilisant des preuves vidéo, des témoignages et des analyses balistiques. Elle a ajouté que ces arrestations allaient rendre le Bronx plus sûr et rendre justice aux victimes et à leurs familles. Voilà ce que la police a annoncé sur les arrestations de ses membres de gang du Bronx et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que la police a bien fait d'arrêter ces gangsters ou pensez-vous qu'ils sont innocents ou victimes d'un coup monté? Laissez vos avis dans les commentaires. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Peace. Yes, this shit is bro coming at your door. You start to scream.